L'histoire voyage à travers le temps pour témoigner de la vie des civilisations qui nous ont précédées. Située dans l'arrondissement de Guider, l'histoire vivante et palpable des gorges de Kola, l'une des principales curiosités naturelles de la région du Nord. Même si l'expression « gorge » semble usurpée, il n'en demeure pas moins que ce passage rocheux de 700 mètres de long et 200 mètres de large, dans lequel se faufile le Mayolouti, reste un spectacle rare dont il faut profiter sur le chemin de Garoua à Maroua. La descente dans les gorges se fait en varap, ce qui permet de parcourir une cinquantaine de mètres au fond de la faille. Certains rochers sont merveilleusement travaillés par les eaux. Au plus haut des gorges, s'élèvent à près de 15 mètres. En plus des chambres, des infrastructures de restauration et de loisirs, on peut observer avec plaisir la pratique de la pêche traditionnelle et goûter ses fruits avec délectation. On peut aussi immortaliser son passage ici en se filmant devant l'abondante et atypique constitution rocheuse des gorges. C'est un carnaval de formes auquel vous aurez droit. Un canapé, un cœur, l'Afrique, la mythique Soudoujinadi et bien d'autres. Découvrez par vous-même toutes les anecdotes et l'histoire des gorges de Kola. En saison sèche, cette eau d'une profondeur de 15 mètres tarit pour vous donner la possibilité de circuler entre ces rochers. Vous y serez heureux.